Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, le podcast pour réussir tous les jours dans tous les domaines. Et j'ai la grâce aujourd'hui d'être avec Junior. Salut Junior. Salut, Pasteur Comment ça va Ça va très bien et toi Très bien, merci. Content d'être ici eh ben moi, Je suis très contente et je suis sûre que le monde entier sera content. Que <laughs> je pense qu'il y a certaines personnes qui m'attendaient un peu. <laughs> C'est bon, tant mieux. Mais vraiment, merci déjà pour ton témoignage. C'était euh, émouvant, c'était euh, percutant. Et Dieu était là, Dieu était a été glorifié. Là, on, vraiment, on est toute cette semaine en train de parler d'un sujet important dont on parle pas beaucoup, c'est la tempérance, parce que c'est quelque chose qui te caractérise, moi, c'est ce que je vois vraiment en toi. Et euh, est-ce que tu peux nous parler de ça, de, de ce trait, de ce. Tu peux définir à ta façon comment toi tu le vis au quotidien, puis aussi on va parler aujourd'hui précisément de. Ben, on peut être jeune et tempéré, ce qui pourrait sembler être un paradoxe, parce que la plupart des jeunes sont peut-être fougueux et donc ne contrôlent pas forcément leurs émotions. Mais euh, toi, tu es jeune et tu es plein de tempérance. Donc raconte-nous ça, parle-nous de ça, définis-nous. Et puis tu peux aussi parler de comment, dans la vie de tous les jours, tu sais, des petites story time, de comment en fait, cette tempérance se manifeste. Bah, je pense qu'une bah, chose à, à établir, je pense qu'on est tous des humains, on a tous des émotions. Mmh. Euh, être tempérant, ça ne veut pas forcément dire qu'on ressent rien. <laughs> mm -hmm. Très important. <laughs> oui, ouais, on, 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 on est tous des humains, on ressent des émotions, ouais. je ressens la colère, ouais. je ressens la tristesse la joie. Ouais. Mais euh, là où ça va changer, c'est comment je vais gérer plutôt ces émotions-là. Et puis, euh, je crois, moi, je crois que, en fait, c'est étrange parce qu'avant, je n'étais pas du tout comme ça. Hum. Euh, si j'avais une situation, où je réagissais. Hum. J'étais très impulsif, tu vois. Hum. Euh, je, je me mettais vite en colère. Mm. Euh, après euh, être converti, mm. euh, après avoir reçu le, le Saint-Esprit, mm -hmm. qui a déversé ses dons en moi. C'est ça, parce <laughs> que c'est un fruit de l'esprit. Exactement, mm -hmm. qui développe ses fruits en moi. Mm -hmm. Qui a développé l'amour, la joie, la patience et la tempérance. Euh, J'ai commencé à, 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 à m'apaiser en fait, ouais. dans, mes, dans mes réactions. Ouais. Euh, je vais donner un, un exemple simplement. Il faut, donne-nous ça. Encore ma mère, une fois, je pense que c'est là. Là, je peux donner un très bon exemple. Ma mère, elle a, la faculté de, de bien m'énerver. Mais tu sais, c'est étrange. Hein. Elle, je ne sais pas comment elle fait pour trouver les mots. C'est une maman congolaise. Mais elle, c'est le, le test ultime. C'est le cas classique, oui. Et puis, euh, ça arrivait qu'après bah, qu être converti, euh, bah, j'ai des situations où ma mère, si elle me parle, elle me, elle me mm -hmm, pique mm -hmm, un peu. Mm -hmm. Et que j'ai dû euh, démontrer un peu, ouais. manifester un peu ce fruit-là de la tempérance. Euh, je ressentais la colère. Mm. Vraiment, j'étais vraiment énervé, mais mm. je comprends ce que tu dis. Mm -hmm. euh, je comprends pourquoi tu le dis, l'émotion euh, avec laquelle tu le dis. Ouais. Et euh, j'ai pu vraiment. Bah, je crois que c'est Dieu surtout qui a pu vraiment apaiser mon esprit. Ouais. Euh, apaiser mes réactions, à me calmer sur, même dans la tête, sauf si je pense que euh, c'est un, un, une bataille en fait. C'est vrai, c'est vrai. Euh, je, je crois qu'une pensée, une pensée c'est une pensée qui, qui euh, enclenche une émotion. C'est tellement vrai. Donc... Tellement. Dieu a apaisé mes pensées, a re, remis de l'ordre dans, dans ce wow. que je pensais, dans mon esprit, ce qui m'a permis d'engager de, n'importe quelle situation euh, mm. calmement. Et c'est euh, ça, c'est étrange aussi, parce que je crois que pas étrange, c'est très bien, je trouve aussi, que le fait d'être tempérant, ça pèse les autres aussi. C'est tellement vrai. Euh, souvent avec Elisa, mon épouse, il ouais. <laughs> y a une situation, elle, elle, a un mmh. peu, elle est très émotive, tu vois. Et moi, je vais être ouais. calme, ouais. tranquille. Il wow. n'y a pas de problème. Il y a un problème, mais on va le régler. Mmh. Euh, fait confiance à Dieu. Mm -hmm. euh, elle me dit arrêtez-vous, sachez que je fais Dieu. C'est ça. Et euh, on regarde la situation calmement. Je... Maintenant, c'est vrai que j'ai mes défauts. Bien sûr. Bah oui. Ça arrive aussi que des fois, euh, je me laisse emporter par mm -hmm. certaines émotions. Mais étrangement, je regrette, je regrette toujours après, je me dis genre, mais en fait, non. Mm -hmm. C'est mieux. L'expérience m'a prouvé que c'était mieux, en fait. Clairement. D'exercer la tempérance, de comprendre l'autre prendre ce qu'il ressent. Ouais. Euh, souvent, quand. Euh, on, on se sent en fait souvent blessé par ce que les autres peuvent dire. Mm. Mais moi, dans, comment je pense J'essaie de me dire qu'est-ce qui l'a blessé, mm -hmm. qu'est-ce qu'elle ressent pour qu'elle puisse me dire ça, tu vois. Donc mm -hmm. je ne le prends pas personnellement. Et puis euh, je crois que c'est euh, euh, un fruit de l'esprit et c'est une très bonne manière de. De, de voir les choses. C'est ça. Tout à l'heure, avant qu'on qu tourne, on parlait, toi et moi, on parlait du fait que les gens pensent peut-être qu'une personne qui est pleine, pleine de tempérance, c'est une personne qui a rien à dire, ou euh, on pourrait même le voir parfois comme un défaut. En fait, les gens mélangent beaucoup. Et peuvent penser que, que comme tu es introverti, puis ils vont mélanger avec le verset qui va dire euh, qu'il ne faut pas être. Euh, euh, c'est quoi La timidité. Tu vois, qu faut pas être, on n'a pas reçu un esprit de crainte, de timidité. Donc les gens pourraient penser que, bah, que c'est comme une timidité ou une crainte. Mais en fait, moi, qui te côtoie, qui te connais très bien, je vois que c'est un fruit de l'esprit. Parce que je t'ai vu passer par des choses difficiles. Je t'ai vu passer par des moments où. Euh, des, de la colocation, des choses difficiles, là où on doit apprendre à aller avec les caractères des uns et des autres. Puis moi, je t'ai vu manifester ce fruit, pas comme vraiment, du coup, la plupart des gens peuvent penser comme un défaut, mais comme une force et une qualité. Et j'aimerais que tu nous parles de ça, parce qu'on parlait tout à l'heure de maîtriser sa langue. Et en fait, c'est ça aussi la tempérance. Ce sont des, des personnes qui manifestent ce fruit de ben, je vais je suis moi-même celui qui gouverne ma langue. Ce n'est pas ma langue qui me gouverne. Moi, je pense que ça rentre beaucoup dans la sagesse, en fait. Oui, c'est vrai. Il la sagesse, c'est quelque chose que Dieu donne ouais. à celui qui demande. Qu'on peut demander. Exactement. exactement. Sans reproche. Exactement. Il ne va pas dire, ah, mais machin, mais pourquoi tu demandes ça Sans ouais, reproche. Exactement. Il wow. euh, y a, a un version wow. dans, 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 je crois, c'est Proverbe 3, qui mmh. dit que ne confiez pas Confiez-vous à, mmh. à, confiez à l'éternel de tout votre cœur, ne nous vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Exactement. Et aussi, l'intelligence, c'est souvent relié à, à la réflexion à, et à la sagesse. Mmh. Euh, je crois que euh, comment je pourrais formuler, formuler ça le fait de de maîtriser ta langue est ce que ça t'a déjà permis de désamorcer des trucs des des, des, des conflits euh, moi en tout monde je t'ai vu le faire de garder ta langue et oui. de, bah, bah, du, du, je trouve qu'on blesse tellement moins les gens mais ça ça c'est partie de ce que je voulais dire, c'est ouais. que je crois que le sage ça, ça, ça s'assied. Yeah. Écoute, ça yeah. observe, analyse. Yeah. Et euh, ça permet de développer beaucoup de, de patience. Oui, c'est vrai. De tempérance, de compréhension oui. et d'empathie envers les autres. Oui. Donc, effectivement, dans, dans, euh, dans des situations où, par exemple, quelqu'un est en colère, euh, la Bible a dit qu'une euh, parole douce, mmh. elle calme, ouais. en fait. Tellement. Tu vois. Tellement. Donc. Je crois qu'il um, faut, uh, um, faut beaucoup de sagesse, mm -hmm. beaucoup d'amour, de, bah, de sagesse pour pouvoir uh, bien agir uh, dans ce genre de situation uh, mm -hmm. où uh, bah, voilà, quelqu'un est énervé ou d'autres situations où il y a du stress. Mm -hmm. C'est vrai. Ou uh, bah, plein d'autres situations où uh, on a besoin d'avoir de la sagesse. Mm -hmm. uh, 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 Dieu m'a Dieu fait grâce de, de pouvoir uh, comprendre les choses au-delà de ce que je peux voir avec les yeux. Waouh! Et de, de, de comprendre, essayer de, de rentrer un peu dans les pensées des autres. Mmh. Comprendre, ok, si elle, si elle m'a dit ça, c'est parce qu'elle était blessée. C'est ça. Ou si, euh, je prends l'exemple avec Elsa, on est, on, on est mariés aujourd'hui. Si elle n'a pas, euh, ah, si pas rangé un truc, elle était peut-être pressée, tu vois. Mmh. Et je pense que ça, là, ça désamorce beaucoup... Euh, de conflits. Beaucoup de conflits. Clairement. Comprendre les gens et de ça, je, je sais... En tout cas, par expérience, je n'ai jamais eu de conflit qui a été résolu en fonçant dedans, Merci. <laughs> en étant en colère. Ça n'existe pas. Ça ne marche, pas. Vraiment ça pas, n ça pas. marche vraiment pas. Ça n'existe pas. Ça ne marche vraiment pas. Ça n'existe pas. Clairement. En blessant les gens. Euh, mmh. on dit souvent, on, 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 on se cache derrière l'excuse. De, je veux dire ce que je pense. Mmh. Les quatre vérités. Exactement. Mais tes quatre vérités, euh, ça, ça blesse quelqu'un, tu vois. Et je pense que euh, être ici aussi, c'est vrai que ça m'a appris à euh, de Communiquer correctement à une personne, ouais. euh, si bah, je dois lui dire un truc qui n'est pas forcément. Mm. Euh, euh, c'est pas forcément à l'aise. Ouais. C'est pas forcément à l'aise de le dire. Bah, J'ai appris à pouvoir le dire sans oui. pouvoir blesser à la personne. C'est vrai. Euh... Ça, c'est un point qu'il qu faut dire. Ce n'est pas parce que tu es tempérant que tu ne communiques pas. Oui. Tu vois, moi, je suis témoin de ça. Tu me dis les choses. Tu n'es pas content, tu vas venir me le dire. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris, tu ne vas pas garder 10 ans. Tu vas venir me le dire. Mais la manière tu vas venir me le dire, c'est pas une manière pointe, jugement, ou moi du coup je vais me sentir mal ou quoi que ce soit. Tu vas vraiment essayer, je, je le vois dans, ton, dans ta communication, tu vas essayer d'aborder la chose qui est pas cool, parce que bah, c'est la vie, il y a des choses pas cool. Hein. Tu vas aborder ça d'une manière où tu vas vraiment faire en sorte, tu vas essayer, tant que ça dépend de toi, que la personne ne soit pas blessée. Et je trouve que c'est important de le dire parce qu'on peut penser qu'une personne tempérante c'est une personne qui dit jamais rien. Et ce n'est pas le cas c'est vrai que euh, on en parlait avec les hier mm. que tu sais qu'on était chez toi d'ailleurs hier ouais, ouais. <laughs> et je lui disais ouais ma mère elle est elle est comme ça aussi comme ta maman <laughs> exact c'est belle maman afro congolaise ouais c'est ouais, ouais. pareil tu vois ouais. j'ai grandi en, 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 en me disant les choses directement mm -hmm. sans, mm -hmm. <laughs> sans sans filtre <laughs> pas de filtre on dit seulement et ouais. du coup bah ça je pense que ça développe une certaine euh, résistance en toi donc, mm -hmm. bah voilà, on me dit les choses comme ça, j'avais l'habitude. C'est vrai. En venant aussi, j'ai vraiment appris à, à, à comprendre aussi que ben voilà, les, tout le monde n'a pas grandi comme ça. C'est sûr. Et que des fois, si je dis quelque chose, comme je l'ai vu mes parents faire par exemple, ça pourrait blesser quelqu'un, ça ouais. pourrait. Euh, donc. Mais en même temps, il faut le dire. Mais c'est vrai qu'il y a des ce choses ce qui nous a fait. Nous, c'est notre... ce qui a fait dans notre euh, culture africaine congolaise. Mais comme nos parents nous disaient, comme ma mère me disait, moi personnellement, ça m'a taillé. Tu vois, je, je, je n'aurais pas voulu grandir dans une maison où on ne me, me dit pas, les, dit choses. pas les choses. Ça, c est, c est vrai, je ne sais pas ouais. comment j'aurais pu être celle que je suis sans cet émondage, sans. Euh... Ok, c'était cash. Mais je pense que des deux parties, <laughs> tu vois, c'est de l'amour en fait. Oui. Donc, d'un côté, mes parents même mais Vraiment, oui ils vont me dire les choses directement voilà tandis que de l'autre côté c'est aussi une manière de, de montrer qu'on aime les gens la manière mais euh, en parlant doucement par' ouais. une parole douce exact en apaisant euh, des désamorçant les gens souvent les gens bah, bah c'est vrai que tu nous avais expliqué une fois que si tu euh, tu dis une critique à quelqu'un mm. en fait il va, il va se défendre mm -hmm. il va jamais être euh, mm -hmm. il va se défendre automatiquement mm -hmm. et donc pouvoir apporter une parole douce ça va déjà désengager un peu tu sais, ouais. ils vont baisser leur garde la, tu sais la position de défense c'est le problème ouais. c'est quand je critique la personne se met en défense, défense et elle directement on pas, hein. peut jamais avancer <laughs> ouais, hein, avec des critiques comme mm -hmm. ça mais c'est vrai qu'il y a des critiques constructives oui, qu'on peut ça. faire qui peuvent être apportées avec l'amour et ouais. la douceur ouais. et ça, ça non seulement ça impacte un impact et je trouve aussi c'est un très bon modèle de leadership ouais, de pouvoir le faire. C'est vrai. Parce que, euh, est-ce qu'on est qu a déjà euh, on a mépris tes intentions, incompris tes intentions ou ton caractère Parce que tu es tempérant, les gens peuvent croire que tu es, euh, je pas, comme je t'ai dit timide, introverti. Est-ce que ça s'est déjà passé pour toi comme un défaut, alors que toi, au fond de ton cœur, bah en fait, réellement, bah, en fait, c'est le Saint-Esprit qui qui te qui a travaillé ce don en toi mais ça peut passer dans ce monde qui est à mille à l'heure où tout le monde dit tout et n'importe quoi ça peut passer pour être à contre courant et donc être un défaut je quand j'étais petit je pensais que c'était je pensais timide en fait en grandissant je ne crois pas que c'est je crois pas que c'est la timidité je pense plus que je suis réservé je vais observer je ne vais pas tout en dire et puis Ma, ça fait partie de mon, mm. mes traits de personnalité. Je, mm. euh, mais c'est vrai que euh, quand je me retrouve dans un environnement euh, avec pas mal de personnes qui sont extraverties, ouais. okay, là, une, une j'ai une difficulté en fait, mm. à, à pouvoir m'ouvrir. Et, je, et je, je sens le sentiment que je renvoie aux autres ouais. que bah, c'est un peu gênant. Mm. Est, euh, je, il est fermé, il ne veut pas nous parler. Mm. Euh, il n'aime pas être avec nous. Alors que pas du tout, pas ça, tu vois, je, je prends plaisir à, 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 à découvrir ce que les autres pensent, mmh. à comprendre, tu sais, c'est comme ça que j'ai grandi, j'ai pris, pris, pris plaisir avec euh, mes sœurs aussi, mmh. mes frères. Mmh. Et euh, c'est vrai que, comme je te le disais tantôt, c'est vrai que euh, les gens ont tendance à... Ils veulent avoir une réaction de toi souvent quand ils... ils vont dire un truc et ils, ils veulent attendent. voir en fait oui. comment tu vas réagir. Ils regardent ton non-verbal, ils Exactement. regardent un peu comment tu vas faire c'est euh, déstabilisant. <laughs> c'est vrai que c'est déstabilisant, je comprends. est-ce que euh, Elsa me le dit souvent, en fait. Ouais. Que, bah, elle me dit quelque chose et je veux dire, ouais. Elle m'annonce quelque chose, genre, euh, oui, il y a ça, il y, y a un gros problème, <laughs> etc. Et je vais dire, ouais. C'est pas que je m'en fous. Non, <laughs> tu vois, mais tu l'as dit en intro. Ce n'est pas que tu n'as pas d'émotions, en fait. Exactement. Tu les as, tu es, es un être humain, là. Tu as la colère, la tristesse, tu as toutes les émotions. Exactement. C'est pas du tout ça. Hein. Je, je prends même très au sérieux, tu ouais. euh, la situation. ouais. C'est juste que au lieu de, euh, au lieu de, j'ai de dire d'externaliser ouais. mes émotions, ouais. je vais chercher des solutions intérieures, en fait. Simplement vrai. trouver des solutions et puis trouver un moyen de pouvoir avancer en fait. Ça. Et puis, euh, bah, je remercie Dieu. Ouais, c'est Dieu. C est, c est, Parce que tu sais, euh, ce que je, ce que je vois dans les relations humaines, c'est que comme les autres attendent ta réaction, si c'est un truc négatif, en tout cas, si c'est une situation négative, ok, il se passe un truc, ça va pas être un conflit. Puis l'autre, il dit des choses, il attend ta réaction. Puis toi, ce que tu fais, eh ben, ben, la plupart des gens n'ont pas forcément de la tempérance, donc vont aussi réagir, tu vois. Mais c'est une surenchère. C'est quand qu'on s'arrête en fait, tu vois mmh. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, c'est la surenchère. Puis finalement, c'est on va vraiment très loin là. Moi, apparemment, mais même des chrétiens, vraiment sincèrement. Donc, je pense que ça, la, la, la tempérance, c'est quelque chose, c'est un fruit de l'esprit que nous devrions poursuivre. On devrait être vraiment à la, à la recherche de ce fruit en disant je, je, je veux vivre ça, je veux être une personne tempérante parce que ça évite énormément de conflits, surtout de surenchères. Le problème aussi, tu le sais, euh, souvent, il peut, plein d'opportunités peuvent se présenter devant ouais, toi ouais. et si tu prends le temps de réfléchir, calmement, mm. souvent, il bah, y a des gens qui l'engouement, qui vont dire oui mm. et regretter après. C'est vrai. Euh, moi, j'aime bien prendre le temps de réfléchir et ouais. puis, euh, Yeah. Je me rappelle quand on, on t'a proposé de venir au Québec. Oui, je n'ai pas, pas, pas répondu directement. Tu dit, OK, oh, par contre, <laughs> à quelle heure C'est pas mauvais, hein, il, faut, il faut aussi des caractères comme ça, mais toi, ton, dans, dans, dans ce que Dieu t'a donné, cette tempérance, bah, tu as dit, OK. Et alors, on pourrait croire, mais le gars, il s'en fiche, je lui propose quand même un truc super cool, mais bon, moi, je te connaissais, donc je savais que tu allais prendre du temps pour digérer, revenir vers moi. Mais c'est comme ça que tu as réagi. Exactement, j'ai bah, pris le temps de mmh. réfléchir et puis j'ai je prié, j'en ai parlé à mes parents. C'est ça. Euh, j'ai attendu aussi que Dieu puisse me, me répondre. Et après, j'ai pu venir t'en parler, tu ça. vois. Donc, euh, mais c'est vrai que ça demande quand même euh, bah, beaucoup d'intelligence émo émotionnelle. Clairement. Parce que euh, je, je, je sais que je suis comme ça. Ouais. Maintenant, les autres ne sont pas comme ça. Exactement. Euh, si bah, elle a mon épouse, elle me dit quelque chose, elle, ça la stresse, ça me met dans plein d'émotions. Euh, je comprends qu'il y, y a certains moments, je ne peux pas rester stoïque. <laughs> je ne peux pas juste être.. Euh... Ouais. Ouais. Même si je trouve la solution plus tard, même si je règle le problème après, je pense que ça demande beaucoup de maturité de pouvoir euh, lutter, dire ok, je comprends, je comprends ce que tu traverses, mais on va trouver une solution calmement, on va, on va penser à un, à, à un chemin qui pourrait fonctionner pour nous. Donc c'est vrai que... Euh, j'ai pas envie de dire ça ça peut pas devenir un défaut c'est sûr mais ça ça utilisé utilisé avec sagesse oui, tu vois de, de comprendre avec du bon sens aussi exactement. de comprendre à, à, à comment comment agir dans certaines situations comment tu définirais toi l'intelligence émotionnelle justement ben... c'est lié à la tempérance oui exactement hum. euh, je pense que euh, comment je définirais c'est ma définition moi hum, vas-y c'est euh, on est des humains mm -hmm. <laughs> on a des émotions mm -hmm. on n'est pas des robots encore une fois mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> donc si je suis un humain je suis capable de comprendre un autre humain ouais. je sais pas. Euh, si euh, si euh, j'ai déjà été en colère moi mm. je peux comprendre le sentiment que un autre une autre personne qui est en colère ouais. traverse aussi donc moi pour moi l'intelligence émotionnelle c'est le fait d'être humain en fait, envers les autres mm -hmm. de comprendre ok je sais ce que ça fait donc, Je comprends ce que tu vis là actuellement, tu vois. Mm -hmm. Donc, on va essayer de, de, de trouver un terrain d'entente. Donc, euh, moi, ce, ce serait ma définition. Une bonne de... définition, très très bonne. <laughs> L'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose de fondamental. Ouais. Euh, qui... Il n'y a pas tellement de gens qui travaillent ça, alors que c'est important. C'est comme je dis la tempérance, la sagesse, comme on l'a dit, il faut la demander à Dieu. La tempérance, c'est un fruit de l'esprit. Il faut laisser l'Esprit Saint bah, nous permettre d'acquérir ce fruit, que ce fruit puisse pousser en nous, et l'intelligence émotionnelle c'est lié à tout ça, euh, c'est très bonne définition, c'est vraiment, on n'est pas des robots nous avons des émotions j'en ai, tu en as, mais comment euh, je comprends ton émotion comment j'arrive à me mettre à ta place, mais aussi comment moi je réagis face à ma propre émotion moi c'est quelque chose que j'essaie vraiment d'inculquer à mes enfants, mais vraiment pour moi c'est trop Important parce que je, le, je vois l'avenir que Dieu veut faire avec eux, enfin l'avenir que Dieu veut leur euh, donner, et je me rends compte que dans le monde dans lequel nous vivons et il dans l'avenir, il, faut... il y a vraiment besoin, oui, donc il y a vraiment, dans, dans tout, le travail, dans, dans l'église, dans, euh, dans tout, dans tout, dans, tout, dans oui, la famille, dans, dans le mariage, euh, absolument tout, il faut être capable de exactement, c'est euh, euh, c'est très important, euh, bah, comme je le citais bah, dans le mariage, ouais. Ah, moi, je, suis, je, je crois que je suis quelqu'un d'assez exigeant euh, envers moi-même. Oui, tu l'es. Mais ouais. je oh, ne <laughs> ouais. peux pas imposer aux autres, tu vois. Je ne peux pas imposer... Par exemple, je sais que Elsa, c'est son délire de, <laughs> pas son délire de, de travailler euh, après 17 heures mm. Elle, elle aime bien, tu sais. C'est ça. Poser un peu. Je comprends, il je, je n'y a pas de souci avec ça. Moi, il n'y a pas d'heure pour travailler. Il <laughs> n'y a pas d'heure, tu vois. Il y a... Il il, il, c'est indispensable en fait, il en faut, parce que si je n'avais pas d'intelligence émotionnelle, en fait, je ne comprendrais pas mon épouse, mm -hmm. elle ne se sentirait pas en sécurité, ouais. ça ne la permet, permettrait pas de, 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 de pouvoir avancer. Ouais. Euh, c'est sûr que moi je vais avancer, mais ça sert à quoi d'avancer si... Seul, ça sert si, bah, à quoi voilà. Donc c'est ça un peu. C'est vraiment inspirant, c'est vraiment inspirant. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu travailles Est-ce que c'est quelque chose que... Bah, je sais que, que l'Esprit s'est a vraiment déposé ça en toi, je le vois, c'est flagrant. Mais est-ce que c'est quelque chose qui s'affine Comment tu l'as affiné en fait Est-ce que, euh, est que tu vois qu'il y a, ok, ah tiens, j ai, j ai, ça j'ai réussi à mieux gérer ouais. Parce que par exemple, quand tu es arrivé euh, ici au Canada, bah, tu as dû vivre en colocation, ça jamais fait. Tu viens de ta famille, une famille aimante avec des parents, des frères et sœurs, très différents, puisqu'on congolais. Vraiment, on sait ce que c'est. C'est le genre de famille dans lequel j'ai grandi. Maintenant, tu arrives ici, donc tu as dû aussi te travailler. Explique-moi un peu ça. Face aux, aux choses qui sont arrivées devant toi, comment tu as pu justement pu développer parce que te, ça n'a pas été parfait, là, tu as fait des erreurs aussi, mais comment tu as fait pour développer ça bah, C'est ça. Comme je disais avant, j'étais impulsif. Mm -hmm. Je pense qu'une des manières dont Dieu m'a enseigné là-dedans, c'est au travers euh, de mes dons. Oui. Ah oui, c'est vrai. Donc, euh, ouais. euh, je suis quelqu'un, de... j'aime beaucoup la musique. Oui, c'est vrai. Euh, j'aime beaucoup bah, à la vidéo, ce genre de ouais. choses. Et euh, quand j'ai commencé à, m, à, me, à, me, à me pratiquer dans ces choses, à m'intéresser, bah, je réalisais que pour apprendre le piano, tu sais, il faut des heures. Ouais. Il faut des heures ouais. de pratique. Donc, il y, euh, y a des fois où je passais euh, une journée, des journées en fait, sur, sur le piano pour apprendre un instrument. Et ça, là, faire des exercices tout le temps, mmh. <laughs> mmh. tout le temps les répéter, mmh. euh, je pense que ça, ça m'a appris en fait, à, à apaiser en fait, mon mmh. esprit sur euh, « ah, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne pour que je devienne, pour que j'évolue mmh. ». Et euh, je pense que ça, là, c'était. Euh, wow. C'est ce qui m'a permis, quand même, de pouvoir développer la, la wow, tempérance, okay. de me dire, OK, euh, voici ton programme d'entraînement, tu vas faire tout ça, tu vas faire telle répétition mm -hmm. pendant autant de temps. Mm. Et voilà, tu vois ta sœur là et tu vas le faire tranquillement. Mm. Et euh, après, je pense, après des mois de, de, de pratique, je crois que j'ai réalisé qu'en fait. Euh, ça m'a en fait allégé en fait dans mon esprit. Genre. Et je pense aussi que, euh, je crois, hein, pour moi, exercer une de mes passions, c'est quand même une méditation en fait. Wow. Parce que ça, ça, me, ça, me, ça je n'ai pas envie de mais ça me calme vraiment. Ça, ça m'apaise vraiment. Mm. Du coup, bah, si j'ai une situation euh, stressante, je beaucoup mieux la gérer que, mm. que si je n'étais pas, si pas passé par là, tu vois. Ouais. Donc euh, je dirais euh, ça par la maîtrise de mes dons, de mes talents. Euh... C'est important, c'est une très bonne réponse ça. <laughs> c est, c est, c est, wow. Je sais que ce n'est pas commun. Non, c'est super, j'avais pense... jamais pensé à ça, mais c'est vrai. Ouais. Le fait de travailler ses dons permet aussi bah, de, tra de travailler finalement la tempérance et les fruits de l'esprit, je n'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai. L'esprit saint va, va pendant qu'on exerce son don, va travailler en penser. nous et, et porter ce fruit, c'est génial. Ouais. Et puis le temps aussi, c'est important. Ouais. C'est pas du jour au lendemain. C'est vrai. Il faut se donner un peu de grâce. Mais être tu as du mal à te donner de la grâce. mais il ouais. grâce. <laughs> faut se donner de la grâce. Déjà, j'ai beaucoup appris. Hein. Ouais. J'ai beaucoup appris. Euh, c'est vraiment. Euh, euh, c'est vrai, je, je rends grâce à Dieu ici à l'église. On prêche vraiment. Il n'y a, ouais. ah, en fait, vrai. ouais. a aucune condamnation en Jésus. C'est vraiment ici que j'ai réalisé qu'en fait, c'est vrai. Il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ. Depuis que je suis converti, je, il ne devrait plus y avoir un petit bout de condamnation mmh. dans mon esprit. Mmh. Euh, je sais que j'aime bien faire les choses correctement. Mais euh, voilà, apprends à te faire grâce, à te pardonner tes erreurs. Et euh, bah ça, ça c'est vrai que ça fait beaucoup grandir. Je veux dire aussi la, la méditation, aussi la méditation de la parole. Mais c'est vrai qu'en tant qu'introverti, euh, 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 intro, je me retrouve beaucoup à penser. En fait. ouais, ouais. Je me retrouve beaucoup à penser. Mes pensées, je les garde dans mon tête, C'est interne, je ne ouais. les parle pas vraiment. Mais je me trouve beaucoup à, dé, à, à, penser, à, à, à penser à certains sujets mmh. qui, 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 tu sais, qui m'intéressent ou certaines réflexions que je trouve intéressantes sur certains sujets hein, tu sais, de, de, de la vie, de la Bible, mmh. du mariage. Et, euh, et je pense que tu sais, tout ça, ça m'a permis de, de bien développer. Euh, encore, je ne pense pas que je suis arrivé. Oui, oui, tu es en chemin. Je suis, je suis toujours en chemin. Mais ça m'a beaucoup aidé, par contre. Wow. Ça m'a beaucoup aidé à, à développer ce. Wow le fruit de la tempérance. Gloire à c'est une très bonne réponse. déjà arrivé à la fin, ça va super vite. Donc, les amis, on se donne rendez-vous demain. Vous voulez, vous voulez absolument continuer à écouter euh, vraiment ce jeune homme qui est plein, rempli de ce fruit de l'esprit. Donc, on se donne rendez-vous demain. D'ici là, rappelez-vous de ceci en Jésus, nous sommes tous richement bénis.